Salut tout le monde, c'est Dadou, comment ça va? Moi je vais super bien. Et on est reparti avec Euro Truck Simulator 2. Et on va, sans plus attendre, prendre une traction. Donc on s'est arrêté à Liège. Et du coup, on va prendre du fromage de cottage, donc 18 tonnes, pour aller à Duisbourg, en Allemagne. Du coup, eh ben, c'est parti mon kiki. Ouh là là, c'est parti mon kiki. Comme disait l'autre. Inconnus. Et c'est parti. Quand tu veux recharger. Yeah. Tu relis, je vois moi. Ça va suffire de maintenant. Tu peux le faire. Je sais qu'il y a une mise à jour, mais normalement. Ah. Il est temps d'aller travailler. Eh oui. Oh, et puis il y a de l'orange en plus, la baguette d'or. Très bien, avec la difficulté. Tenez la droite. Agent de recrutement. Tenez la droite. Voilà, on y est. Enfin, nous y voilà. Allez, donc du coup, on va prendre sa direction. Oh non, direction Dortmund du coup. Soyez prudent. La mission à Duisbourg. Je vais se tromper de bouton. Dortmund a été annulé. Ah, Duisbourg, pardon. Comment est-ce que je fais? Prêt à rouler. D'accord, donc on a vraiment la machine de base. Désolé, mon fils vient de me donner un coup de boule dans la colonne vertébrale là, et je jongle. Tournez à gauche. On
cette petite pause. Du coup, on va devoir trouver une station. Il n'y en a qu'une ici. Mais du coup, on va s'arrêter là-bas. On va faire la coupure ici. Hop là, voilà.
Non, le bruit des vécos, c'est... Ouais, il est vrai. Tenez la gauche. Le klaxon n'est pas du tout... Ouais. Attends, je suis fier de toi. Mine de rien, au niveau du jeu, c'est que le deuxième jour, on a déjà notre camion. C'était pas beau. Bon, c'est comme ça dans la vraie vie. Ouais, ça pourrait le mettre, hein. Bon, c'est vrai que les ventes, on va pas te donner un gré. Pour ton euro. Tellement dans la merde, mais ok. Y'a plus de sous, je peux pas vous donner de crédit. Par contre, on part. Le tarder et rien.
voilà, je m'éternais. Là-bas. C'est quand même. Alors, sur ce échappement. Tournez à gauche. Ça veut dire papillon et non, clairement ça ne se dit pas comme ça normalement. Mais eh bien voilà, sur YouTube en fait, il y a une chaîne que je suis, c'est Copycat, que j'adore, mais je suis mort de rire à chaque fois que j'ai rien. Et en fait, il y a donc les Language Nerds qui ont fait des vidéos où justement ils comparaient l'allemand aux autres langues. Et comment vous dire que j'en pouvais plus. Même après les avoir regardés 50 fois, je rigole toujours autant, pour être honnête. Et ouais, clairement, ils sont énormes. Je vous conseille, The Language Nerds, N-E-R-D-S, c'est énorme. C'est énorme. Tournez à droite. Allez. En attendant, nous y sommes, sains et saufs. Pour éviter le Krankenhaus, ben on va pas faire les cons. Donc voilà, hop là, allez. C'est une bonne chose de faite. Bon, toujours niveau 2. Eh bien, écoutez, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On a fait une petite route tranquille, donc de Liège à Dortmund. Eh bien, voilà, c'est fini. Je vous souhaite une bonne soirée. La prudence sur la route si vous conduisez. Et à demain. Ciao, ciao.